Bonjour famille, comment vous allez? En tout cas, moi je vais très bien. Je viens de la messe comme ça et je m'apprête à aller au boulot. C'est toujours ici tard. Cette petite vidéo, on va être un peu sérieux, on va parler calmement pour mieux se faire comprendre. Voilà. Je le dis bien dans le titre. Je veux parler du leadership dans le milieu du showbiz ivoirien, précisément dans le milieu du coupé décalé. Les amis, vous savez. Moi personnellement, je ne suis pas fier de tout ce qui se passe là. Hein. Toute cette guéguerre inutile là qui fait retarder le mouvement, j'en suis vraiment pas fier en fait. Voilà. Mais quand vous savez qu'à l'origine, nous fans de X, je ne vais pas dire de nom dans cette vidéo, on était dans l'ombre, on subissait, on ne parlait pas. Qu'on a décidé maintenant de parler, c'est parce que, à la limite, beaucoup nous faisaient chier en fait. À la limite, les gens abusaient de notre silence. On pensait que on pouvait pas se révolter. On pensait que on n'avait pas de mots à dire. Je vous explique un truc simple. Bon, pour moi, la définition d'un leader. Pour moi, un leader, c'est celui-là même qui aide tes amis. Un leader n'est pas forcément celui qui est le plus intelligent. Mais c'est celui qui sait porter un groupe. C'est celui qui trouve les mots justes pour encourager le groupe, pour encourager la masse. C'est ça un leader. Un leader, c'est pas celui-là qui s'auto-proclame leader. Un leader, c'est pas celui-là qui cherche à voir ses amis à ses pieds et lui à la tête. C'est pas ça un leader. Un leader, c'est celui-là qui dirige. Un leader, c'est celui-là qui écoute. Disons-nous la vérité, c'est bien beau de s'insulter sur la toile, de faire de mauvais commentaires, de vouloir toujours justifier tout ce qu'on fait, mais la vérité est là. Le problème du coupé-décalé, de la baisse du coupé-décalé, c'est pas autre chose, les amis, c'est pas autre chose. C'est ce problème de leadership. Tout le monde veut être premier. Tout le monde se dit premier. Personne ne se voit dernier. Tant que nous baignons dans cet esprit-là, le mouvement va toujours stagner à la place où il est actuellement. Tous reconnaissent ton talent. C'est pourquoi chacun a ses fans. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi chacun a ses fans. Quand on t'écoute, toi, on dit franchement, moi je me retrouve en celui-là. Donc celui-là, pour moi, il est le meilleur. Ça n'engage que toi et tes fans. Ça se limite à là, en fait. C'est ce qu'on doit comprendre. Maintenant, quand tu veux imposer ton choix aux autres, c'est là qu'il y a palabre. C'est là qu'il y a guéguerre. Franchement, ressaisissons-nous, hein? Arrêtons de s'insulter. Arrêtons de dire lui, il est fort que tant. Celui-là vaut rien que tant. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que mine de rien, pendant qu'on dit ça, il y a d'autres qui sont mieux placés que certains. Mais ça ne fait pas d'eux les plus forts. Ça ne fait pas d'eux les plus intelligents. Je suis désolé. La vie est une question de temps et de chance. Vous voyez, Dieu bénit qui il veut, quand il veut et comme il veut. Faut juste attendre ton tour. Arrêtons, arrêtons, arrêtons de mettre nos attisses en palabre. Ça ne servira à rien aujourd'hui, ça ne servira à rien demain. Soyons un peu posés, soyons un peu vrais, soyons un peu justes. Le coupé décalé n'a pas besoin de ce problème, ce faux problème de leadership là. Tu fais ta musique, on te soutient. Celui-là fait sa musique, on le soutient. Et le mouvement, chose progresse. Mais tant qu'il y a certains dans ce mouvement-là qui vont toujours s'auto-proclamer les plus forts, les meilleurs, le coupé décalé n'évoluera jamais. Moi, je dis toujours que nous, dans l'ombre, on peut savoir que tu es le leader. Mais ton comportement peut nous amener à te discréditer comme chose de leader. C'est ce qu'il faut comprendre. Un leader, c'est celui qui encourage, qui pense aux autres d'abord avant de penser à lui. Un leader, c'est celui qui donne la chance aux autres d'expérimenter l'esprit de leader. Mais l'entourage saura que le vrai leader, c'est toi. Soyons un peu justes. Mettons beaucoup d'amour, parce que quand il y a l'amour, tu veux voir ton ami évoluer. Quand il y a l'amour, tu pardonnes. Quand ton cœur est un champ d'amour, là,
Tu ne sais même pas insulter. Tu ne sais même pas sortir des grossièretés. Les amis, franchement, c'est à cause du boulot que j'ai servi. Bref. Mais dans d'autres de mes vidéos, on va poursuivre ces débats-là. Ceux qui pensent que je suis d'accord, qui sont d'accord avec mon opinion de ces quelques minutes-là, dites-le en commentaire et donnez vos avis. Si j'ai menti ou si j'ai dit, si j'ai dit faux, tout comme fait, on mènera ce débat-là après. Je vous en prie, pas d'injures. Le coupé décalé n'a plus besoin de ça. On doit s'entraider maintenant. Voilà, moi je suis fan des Bordeaux le coup à vie et j'en suis fier. Mais je respecte tous les autres artistes du mouvement. Je respecte tous les artistes ivoiriens. Mettons de l'amour entre nous. C'était mon message de ce jour. Bon dimanche à tous et que Dieu nous bénisse. Mettons Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est lui le plus important. Le reste vient après. Ciao, ciao les amis.